Le festival de théâtre amateur de Maison Lafitte s'est clos ce dimanche soir. Pendant 5 jours, une dizaine de pièces ont été jouées sur les planches de la salle Malesherbes et de la vieille église. Retour sur la représentation de la pièce. Le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait terriblement faux. Œuvre de Matéi Wisniewski, repris par la compagnie du Zèbre. Le sujet est d'Aurélien Flamand et de Marion Feutry. 20 ans, l'âge de la maturité pour le festival de théâtre de Maison Lafitte. Pour cet anniversaire, il balaye toute la palette des émotions, même les plus noires. Le mot progrès dans la bouche de ma mère est une pièce contemporaine. L'histoire, un père et une mère à la recherche du corps de leur fils. Mais le thème abordé est bien plus large. La guerre en Europe, à nos portes, il n'y a pas très longtemps. Le tout traité d'une manière... évoquer plutôt que traiter, c'est des évocations ici et là sur tout ce que peut représenter la guerre une fois qu'elle est finie. Nous sommes un pays libre. Une histoire forte dont la mise en scène a séduit les programmateurs du festival qui ont vu près de 40 pièces avant de faire leur sélection. Le seul critère, c'est la qualité du spectacle. Donc on n'est pas, on veut pas tant de classiques, tant de... Ça, on s'affiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le beau spectacle. Là, un spectacle qui est très dur, qui est assez violent, mais c'est extrêmement bien fait. Donc ça peut choquer, il y a des gens qui vont « Oh là là !» Bon, et puis après, sinon, on a du Don Juan, on a une comédie musicale. Et c'est justement la force de ce festival, pouvoir passer du tragicomique de Molière à des pièces contemporaines, un éclectisme revendiqué. Le théâtre, oui, divertit, mais... je n'ai, moi, personnellement, jamais appris autant de choses sur l'Inde qu'en allant voir l'Indiade de Darian Nouchkine. Et c'est resté, c'est effectivement resté. Le théâtre a ce rôle-là pour moi. Divertir, mais aussi apprendre, mais réussir à mêler l'émotion et puis la connaissance. Pour toutes ces compagnies amateurs, il est parfois difficile de remplir les salles. Au festival de Maison Lafitte, que ce soit pour divertir, émouvoir ou transmettre un savoir, elles ont forcément trouvé leur public. Parce que tu étais petit, alors pourquoi te caches-tu sous la terre maintenant ?